Bienvenue dans les 3 minutes de l'AF Péric, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série Rhumatisme inflammatoire chronique et parcours de femme, nous accueillons Chantal Noguero, socio-esthéticienne CODES. Elle va nous présenter son métier et les bénéfices de cette pratique pour les personnes souffrant de maladies chroniques. Quand on a un RIC, l'estime de soi peut être mise à mal. On peut avoir l'impression de perdre son identité, de ne plus se reconnaître. De plus, la maladie et les traitements peuvent fragiliser le corps, ces changements peuvent être difficiles à supporter. Or, l'image que l'on a de soi et de son corps a toute son importance pour aller bien. Elle joue un rôle clé dans l'acceptation de la maladie, dans la capacité à aller de l'avant et à retrouver une vie qui nous plaît. La socio-esthétique, c'est une discipline au cœur de l'accompagnement des patients. C'est un accompagnement corporel de la souffrance et de la douleur par l'écoute et le toucher pour un mieux-être. L'objectif, renouer avec soi, se retrouver, retrouver l'envie de prendre soin de soi, mieux vivre les soins médicaux. La socio-esthéticienne s'intègre dans les parcours de soins médicaux et travaille avec les équipes pluridisciplinaires, médecins, psychologues, infirmiers. Une socio-esthéticienne va proposer des soins esthétiques, des modelages, soins du corps, soins du visage, soins des mains, maquillage et des conseils adaptés et personnalisés à chaque patient. Elle s'adresse à tous, aux femmes, aux enfants, aux hommes, aux adolescents, aux adultes, aux personnes âgées. Pour être accompagné par une socio-esthéticienne, demandez à votre médecin traitant, à votre rhumatologue de vous orienter, ou vous pouvez faire la demande auprès de l'équipe médicale qui vous suit. Vous pouvez aussi contacter le CODES au CHRU de Tours, qui mettra en relation avec une professionnelle proche de chez vous, ou vous rapprocher des associations telles que FFD. Merci Chantal Noguero pour ces explications. Pour en savoir plus sur la socio-esthétique et découvrir des trucs et astuces, visionnez la vidéo « Prendre soin de soi » disponible dans la description de l'épisode. Nous remercions également le laboratoire UCB qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cette émission. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager nos émissions.